Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors banalité d'usage, hein, tu vas partager la vidéo sur tous les supports que tu peux trouver, toutes les plateformes, il y a Tipeee, il y a Utip si tu veux me soutenir, et le pouce en l'air qui fait toujours plaisir, hein, c'est bon pour mon référencement. Allez, on enchaîne. Donc là théoriquement, si je me trompe pas, on est sur la troisième partie de ce tuto et on va apprendre à faire la fumée. Alors tu vois, on est simple, hein, on est vraiment sur une vidéo qui théoriquement devrait être quand même relativement courte. Donc pour ce faire, c'est simple, hein. On va prendre une tige, moi je prends une tige en bois. Tu peux prendre une tige en métal si t'as besoin que ton effet de fumée soit dans tous les sens que tu veux, court, machin, bidule. Tu prends n'importe quel support que tu peux utiliser. Moi j'ai pris une tige en bois, un pic à brochette si je me souviens bien. Et sur lequel j'ai planté du coton de salle de bain. Et pourquoi pas du rembourrage à coussin comme j'ai utilisé pour l'explosion. Bah déjà ça me permet de te montrer qu'on peut travailler autre chose. Et puis je trouve que pour cet effet de fumée, bah, je trouve que c'est plus cohérent visuellement. Donc du coup, bah hey, coton. Du coton de salle de bain, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Au pire, t'en piques hein, dans les fournitures de ta femme, je suis sûr qu'elle en a. Donc t'empales bien ton coton hein, sur ton support. Tu fais des petites étages. Après, tu fais un petit coup de noir à l'aérographe, léger, hein, juste pour griser un petit peu l'ensemble, pour faire ressortir les reliefs qui sont créés hein, par ton coton. Ensuite, un bon coup de vernis hein, bah, qui protège ta peinture et qui va fixer l'ensemble, qui ferait que ton coton ne va pas se barrer en couille. Bah après, il n'y a plus qu'à le placer. Et ça donne ça. Donc voilà, hein, vidéo terminée. Comme je t'avais dit, hein, ça serait court en même temps. Qu'est-ce que je veux dire de plus sur ça? C'est simple. Hein. Donc comme d'habitude, hein, Tipeee, Utip, hein, si tu veux me soutenir. Facebook, Twitter, Instagram. Enfin, tu partages ma vidéo où tu veux, fais-toi plaisir. Moi, ça me fait plaisir et ça fera plaisir aux autres. Le pouce en l'air pour mon référencement, hein, j'approuve. Et puis, bah, vu que nous sommes au mois de janvier, hein, je te souhaite une bonne année parce que je ne l'ai pas encore fait. Hein, je me rends compte que maintenant. Mais en soi, là, je suis au mois de novembre, vraiment, au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Et donc je te donne rendez-vous pour la prochaine, pour la dernière vidéo qui sera consacrée à la bordure de ce duo. Voilà. Ciao mon poulet. Pour Coco Beko, nuage magique. Tanana, appliquez-vous hein.